Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ici en direct du stade de la Juve. L'Allianz Stadium de Turin. Voilà pour José un match. Et Arthur aux commentaires. Avec un nouveau choc, le choc de la saison en Serie A, c'est la Juve contre le Napoli. Les deux équipes ont remporté leur premier match et c'est dès la deuxième journée entre les deux équipes, entre eux qui sont souvent premier et deuxième de Serie A. On commence par la compo de la Juve avec Chesney dans les cages, De Ceglio, Bonucci, Chiellini, Alexandro, Matuidi, Khedira et Pjanic au milieu de terrain, Douglas Costa, Higuain et Ronaldo en attaque. Alors voilà, comment il s'appelle, De Ligt est encore sur le banc, lui qui ne s'y attendait pas au début mais qui a quand même reconnu qu'il était quand même moins fort que Bonucci et Chiellini. Il a fait des erreurs en match. Et du côté de Naples, c'est Meret dans les cages, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly et Mario Rui, Calejon et Insigne sur les côtés, Alan et Zielinski en tant que relayeur, Dries Mertens derrière l'attaquant, Fabien derrière l'attaquant Dries Mertens. Voilà, il y a une petite erreur de la Ligue. Voilà, pour ce soir. Le match va commencer entre les deux équipes dans quelques instants. La Juve et Naples se sont imposés. La Juve 1-0 face à Parme. Naples 4-3 face à la Fiorentina de Franck Ribéry. Et c'est Higuain qui donne le coup d'envoi. C'est parti. On voit que Fabien va emmener sa taille dans la surface et c'est plutôt Mertens qui... Le centre, attention à la reprise, et 1-0. Ouverture du score. Quelle erreur de Chiellini et l'ouverture du score de Calejon dès la 8e minute de jeu pour le Napoli. 1-0 ici l'Allianz Stadium, qu'il y a froid. Voilà, les supporters de Naples qui ont fait le déplacement sont... Regardez sont le centre d'Insigne et c'est... Chiellini qui se manque complètement, Calejon derrière instantanément reprend de voler à bout portant face à Chiellini et le bas, il ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour Napoli face voilà. Ils à sont... la Juventus. Ils sont cueillis au centre, le centre à venir, la tête d'Higuain, l'égalisation 27ème minute, on n'a pas eu tant d'occasions à part ses buts, j'ose dire, pas, c'est deux occasions de but hein, de chaque côté hein. Et cette passivité quand même dans la défense, Higuain peut poser sa petite tête tranquille, presque sans sauter. Et c'est dans la lucarne. Les deux défenses, de Meret. Les deux défenses sont passifs et font des erreurs. Hein, et ça fait un partout. José, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps? Deux occasions de but. Donc après, il y a eu quelques petites occasions, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est beau à voir. La Juve a quand même plus le ballon. Oui, mais par contre, les défenses, attention, il va falloir être plus concentré en seconde période, surtout avec la fatigue. Allez, peut-être pourquoi pas une dernière occasion pour les joueurs de la Juve. C'est perdu. Et ça sera terminé. L'arbitre siffle la mi-temps. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure. Entre la Juve et Naples, on espère avoir encore des buts et un peu plus d'occasions en deuxième mi-temps. Déjà, on a l'ambiance. On a des buts. Oh, il y avait Fabian, un trou là-bas. Fabian, il faut frapper. Avec. Fabian. Oui, pour. C'est qui frappe c'est, là c'est Alan. C'est Alan. Et ça fait 2-1 pour le Napoli. 55e milieu de jeu, Naples reprend l'avantage ici à la Land Stadium et on peut pas dire que c'est démérité. Oui, c'est pas démérité. Naples qui arrive à construire, surtout par contre, mais il joue très bien et voilà. On aurait pu penser que Fabian Ruiz aurait frappé là-dessus, mais non, il a pas frappé. Il a donné j'attendais sa frappe, mais il a bien temporisé et Alan qui arrivait. En pleine vitesse, c'est là. Douglas Costa qui élimine bien joué Douglas Costa face à Mario Rui. Le centre à venir, là il y a Cristiano Ronaldo dans la surface, il y a la présence. Allez, au deuxième poteau justement. Et voilà. Le but. Ça sera le premier si de la saison. Cristiano Ronaldo de la tête qui laisse pas le temps du tout à Naples d'y croire. 58e minute de jeu et un partout et deux partout ici à l'Allianz Stadium. Déjà. Super centre de Costa et bien sûr la tête de Ronaldo. Et pour là, ça fait 2 buts partout. 4 buts déjà dans cette rencontre de chaque côté. Ça commence bien. Il y a du spectacle en Serie A cette année. Ce match était quand même passionnant avec 2 buts de chaque côté. Voilà, oui, le suspense a été tué direct. Côté turinois, ils ont encaissé des buts, mais ils sont revenus direct après. Pas de suspense, mais en tout cas, c'était bien. Dans ce match, on s'est amusé à le commenter avec des jolis buts notamment. Voilà, un très beau match, très beau choc. Le choc qu'on attendait. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine sur la José TV. Allez, salut, Quichette Palier, à la prochaine.